quieres de mí, si he pasado esta prueba de tu amor. Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Presumiéndolo, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour remercier ma filleule de ce qu'elle a fait pour vous? N'importe quoi. Dans ce cas-là, mariez-vous avec elle. Pardonnez-moi, madame, mais... La vérité, c'est que je n'ai rien à lui offrir. Je suis un fugitif recherché par la justice. Ne vous inquiétez pas. Je me charge d'effacer les traces de votre passé. Vous devez sûrement connaître mon frère, il est capitaine de la marine. Et justement, il se trouve que sa base navale est à Agua Azul. Le capitaine Robledo? C'est exact. Je suis désolé, mais le capitaine Robledo est un très bon ami de la famille Mendoza qui m'a causé beaucoup de problèmes. Ignacio est l'homme le plus honnête qu'il y ait jamais eu sur Terre. Alors peut-être que cette famille s'est moquée de lui aussi. Vous avez déjà pensé à ça? Je sais seulement que cette famille m'a causé beaucoup de problèmes. Ils m'ont accusé d'un crime que je n'ai pas commis, ils m'ont privé de mes libertés. Et cela parce que ma relation avec leur fille ne leur convenait pas. Écoutez-moi, José Luis. Si vous vous mariez avec ma filleule, je vous promets de parler à mon frère pour essayer de tirer un trait sur cette histoire. Et je vais m'assurer que lui, tout comme moi, allons vous aider à laver votre réputation. Bien sûr, à la condition que ce que vous dites à ma filleule et ce que vous me dites à moi-même soit la vérité. Alors, quelle est votre réponse ? C'est Angelica qui a dit qu'elle voulait se marier avec moi, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Mais elle m'a avoué qu'elle était amoureuse de vous. Et je la connais bien, José Luis. Je sais qu'elle rêve de se marier. J'ai parlé avec l'oncologue qui s'occupe d'elle à l'hôpital et il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Sa maladie est en train de la détruire un peu plus chaque jour. Et ma chérie ne va pas vivre très longtemps. Ma filleule est amoureuse de vous, José Luis. Et tout ce que je veux pour elle, c'est qu'elle soit heureuse le peu de temps qu'il lui reste à vivre. Ma chérie, je suis contente que tu ne dormes pas. José Luis est là, il veut te parler. De quoi? Tu vas très vite le savoir. Entrez, José Luis, je vous en prie. Merci. Je vous laisse parler tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Angelica, il faut que je te parle sérieusement. Alors réfléchis bien à ce que je vais te dire. Je crois que le mieux, c'est que tu retournes chez tes parents. Ils doivent se faire beaucoup de soucis pour toi. Je le sais déjà, ça. Et ça me fait mal de savoir qu'ils s'inquiètent à cause de moi. Mais ce que je veux, c'est être avec toi, mon amour. Il faut que tu y réfléchisses, toi aussi. Si je le dis à mon père, il n'hésitera pas à venir pour moi. Et il ne nous laissera pas rester ensemble. Il ne l'acceptera jamais. Je le connais, José Luis. Toi, il te dénoncera à la police et moi, il m'emmènera à l'hôpital de Mexico. Et je ne veux pas de ça. Pense-y. Tu es peut-être un peu perdue. Peut-être que tu m'as trop idéalisé. Je suis entré dans ta vie comme ça, sans prévenir. Est-ce que tu ne serais pas plutôt en train de te faire des films? Parce que moi, je pense que le fait d'être avec moi va seulement t'apporter plus de problèmes. Angelica... Tu es sûre de savoir qui je suis? Oui, mon amour, bien sûr. Tu es l'homme le plus incroyable au monde. Tu es différent de tous les autres.
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et je me fiche de ce que peuvent bien penser les autres, Ross et Louis. Tout ce que je veux, c'est être à tes côtés. Le plus longtemps possible. Angelica, veux-tu devenir ma femme ? Allô, j'écoute. Salut, Esmeralda. Comment tu vas ? Oh, Ross et Louis. C'est Ross et Louis. Je peux lui parler. Refugio est ici avec moi. Je vais mettre le haut-parleur. Voilà. Salut, mon pote. Hey. Je suis content que tu y sois arrivé, hein ? Comment tu vas ? Heureux de t'entendre. Tu vas bien ? Pourquoi t'as mis autant de temps à appeler ? Eh bien, tu sais, il m'est arrivé des choses horribles, mais bon, on en parlera plus tard. Mais Dieu merci, tu vas bien. C'est parce que... Je veux que tu viennes à Mérida. Je veux t'inviter à mon mariage. Quoi ? Tu vas te marier ? Avec qui ? Qu'est-ce que tu fais ? Rien. Je réfléchis. Tu réfléchis ? À quoi ? À Antonio. Medina a parlé avec lui avant qu'il s'échappe de prison. Et il a découvert un truc... qui m'a mis vraiment mal à l'aise. Et Pedro ne t'a pas dit ce qu'il a découvert ? Non. Il m'a seulement dit qu'Antonio s'était moqué de moi, et pas qu'un peu. Pourquoi tu étais aussi énervée quand tu as appris qu'Antonio était mort ? Parce que il est clair que... c'est très dur et tout ça est vraiment très injuste, non ? Oui. Mais... pardonne-moi si je te dis ça, mais je pense que tu exagères un peu. J'aurais compris si ça avait été quelqu'un de ta famille, ou alors un ami proche, mais là, il s'agit de la mort du contremaître, tu vois ? Bien, comme tu le sais déjà, je l'ai beaucoup aidé pour qu'il puisse voir Angelica sans que sa famille ne sache rien de tout ça, et... Et tu l'as aidé juste comme ça, sans rien lui demander en retour ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que je me suis identifiée à eux ? Parce que ça m'a rappelé quand ma famille ne me soutenait pas quand je voulais être avec Ross et Louis ? Eh bien, oui. Oui, c'est vrai, c'est uniquement pour ça que je les ai aidés. Bon, Sarah. Maintenant que notre situation a complètement changé, que tu m'aimes comme je t'aime et qu'en plus nous allons avoir un bébé, j'aimerais beaucoup que, sans s'énerver, en restant calme, on arrive à parler de Ross et Louis Alvarez. Je veux juste que tu me dises une chose. Est-ce que c'est Antonio, la personne qui t'a aidé à entrer en contact avec lui ? Oh, c'est pas vrai! Pourquoi est-ce que tu continues encore avec ça? Parce que je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Sache que je ne pourrai pas dormir tranquille tant que tu ne m'auras pas dit toute la vérité. Montserrat, ne t'inquiète pas. Si c'était Antonio, tu n'as aucun souci à te faire. Je ne peux rien faire contre lui parce qu'il n'est plus là, il est parti. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu continues à remuer le passé comme ça? Pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Et pourquoi tu me fais souffrir moi aussi? Parce que je veux savoir. Tu n'as aucune raison de continuer à garder le secret. Non. N'insiste pas. Je ne le dirai jamais. Ah, ma reine, je suis tellement heureuse. Ross et Louis m'a demandé en mariage. Je lui ai dit oui. Mille fois oui. Ah, mais dis donc, ma reine, chérie, je ne t'avais jamais vu. Je suis amoureuse de lui. Ah, ma chérie, je suis tellement contente. J'ai envie d'aller dans la rue et de crier au monde entier que je vais me marier avec l'homme que j'aime. D'accord, mais reste tranquille, tu me donnes le tournis. Il faut que tu te reposes. Oh, ma reine, tu crois que je vais pouvoir dormir avec toutes ces émotions ? Non. Tu sais ce que je veux ? Quoi, ma chérie ? Je veux une belle robe blanche. Et je veux aussi me marier sur la plage. Je veux me marier près de l'océan et que tout soit décoré avec plein de fleurs. Une tonne de fleurs jaunes et bleues, d'accord ? C'est possible ? Bien sûr que oui, ma chérie. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Et je vais m'assurer que tu aies tout ce que tu souhaites. Et je te promets que ton mariage va être le plus beau jour de toute ta vie. Merci, ma reine. Je ne veux pas que tu sois furieuse après moi. Pardonne-moi si c'est le cas. Je t'aime de tout mon cœur, Alessandro. Je t'aime tellement, mon amour, que... je suis jaloux de celui à qui tu penses. Je passe mon temps à penser à toi.
Comment tu t'es rendu compte que tu m'aimais? Je n'en sais rien. C'est arrivé comme ça, à l'improviste. Quand tu me regardais, je ressentais tellement de choses en même temps. C'était... Je voulais que tu sois là, que tu me prennes dans tes bras, que tu m'embrasses. En fait, je pensais que c'était seulement quelque chose de physique. Mais je me suis rendu compte que ça venait de mon âme. Tu veux dire que tu voulais être dans mes bras? Oui. Et pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Pourquoi tu m'as fait souffrir pendant tout ce temps? Tu ne sais pas à quel point je me languissais d'être avec toi, mon amour. Je n'étais pas certaine de mes sentiments. Mais je le suis maintenant. Et je sais que je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime, mon Serra. Je t'adore. Et je te promets que je ne t'embêterai plus jamais avec tous mes doutes, avec ma jalousie. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde entier. Resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo. Je t'attendais, petite marmotte. Tu as l'air fatiguée, tu n'as pas bien dormi? C'est pas le moment, Joséphina. Oui, oui, j'imagine. Je voulais te dire bonjour avant que tu ailles travailler et je t'ai apporté quelques parts de tarte, au cas où tu aurais faim à midi. Je te les laisse là. Dominga m'a aidée à les faire. Elle a commencé à me donner des leçons de cuisine et peut-être qu'un jour, qui sait, j'arriverai à cuisiner aussi bien qu'elle. Pourquoi tu me détestes pas, Joséphina? Après tout ce que je t'ai fait voir. Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimée. Et en plus, quand je pense que tu as réussi à croire à cette mise en scène absurde, tu es tellement stupide. Les tartes sont fourrées au fromage et au jambon. J'ai ajouté un peu de basilic, ça leur donne un très bon goût. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne te déteste pas, Dimitrio. Je suis très en colère contre toi, ça c'est sûr. Et je le reconnais. Mais par-dessus tout, il y a cet amour que tu as provoqué en moi. Tu parles de quoi? Le gars dont tu es tombée amoureuse n'existe pas. Alors laisse-moi essayer d'apprendre à te connaître, Dimitrio. Et laisse-toi l'opportunité de me connaître, moi aussi. Si je peux faire des efforts, alors pourquoi tu ne pourrais pas en faire, toi aussi? Joséphina, je ne peux pas tomber amoureux de toi, hein? De personne. Ce que tu vois, ce que tu sais de moi, c'est ce que je suis. Non, Dimitrio, ce n'est pas toi. C'est une façade.
Ethan, c'est un masque quand j'arriverai à voir au-delà de ce que tu prétends être. Et que j'aurai atteint le fond de ton cœur, alors là, je te connaîtrai pour de bon. Et je suis contente que tu aies jeté cette tarte parce que le jambon était périmé et tu aurais été malade. T'es sérieuse? T'es... t'es cinglée. Tu voulais quoi? Tu voulais... m'empoisonner? Qu'est-ce que tu voulais? Que j'ai une crise de foi pour que tu aies ta revanche? T'es cinglée ou quoi? Non, Dimitrio. J'ai fait ça pour que demain tu aies un bon prétexte, pour que tu ne sois pas obligée d'aller travailler. Peu importe. Ça n'a pas marché. Alessandro! Oui, dis-moi. Je suis furieuse contre toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu ne fais même plus attention à moi. Avant, on parlait, on sortait tous les deux ensemble. Tu me traitais différemment. Alors que là, les jours passent et c'est tout juste si je te vois. Pourquoi on ne se voit plus? Parce que j'ai perdu une amie. J'aimerais pouvoir partager mon bonheur avec toi. Te dire que je suis plus amoureux que jamais. Mais bon sang! Cette femme ne t'aime pas, elle te ment. Tu ne te souviens pas du tout de ce qu'elle t'a fait. Quand tu t'y attendras le moins, elle te trahira à nouveau. Tu vois, on ne peut même pas être amis, toi et moi. Au revoir, Maria. Je suis contente de vous voir heureuse, madame. Non, je ne suis pas heureuse. Je suis très heureuse. Monsieur Almonte est un homme bien. C'est le meilleur. Mais ce n'est pas la seule raison de mon bonheur. Nous allons aussi avoir un bébé, Rosario. Un garçon, madame. Ou une fille. Oh, c'est une bénédiction. Un enfant de vous et de mon... de mon patron. Oh, il doit être tellement content, pas vrai? Parce que vous lui avez dit, hein? Oui, oui, Alessandro était le premier au courant. Enfin non, en réalité, c'était Nadia parce qu'elle m'a apporté un test de grossesse pour que je sois sûre. Mais oui, c'est à lui que je l'ai dit en premier et vous ne pouvez pas savoir à quel point il était ému. J'imagine, oui. Avoir un enfant, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans une vie. Vous avez des enfants, Rosario? Oh, non, je disais ça pour vous et pour monsieur. À présent, il faut que vous fassiez attention et que vous mangiez bien, que vous n'ayez pas de contrariété. Peu importe ce que vous voulez, vous me le dites sur le champ. Pour que ce petit être naisse sain et magnifique comme son papa. Oh, mais c'est merveilleux! Un enfant, madame. Oui. Quand il naîtra, vous me laisserez m'en occuper, n'est-ce pas? Je vous promets de veiller sur lui jour et nuit pour qu'il ne lui arrive rien. Personne ne pourra s'en occuper mieux que moi, je vous le jure. Vous me le laisserez, n'est-ce pas? Eh bien, ce sera vraiment très compliqué, Rosario. Bien sûr que oui, bien sûr, évidemment, oui. Si je dois être sûre d'une chose, c'est que vous allez aimer mon enfant. Comme si vous étiez sa véritable grand-mère. Oui. Je vais l'aimer. Comme mon petit-fils. Je vous le jure. Oh, Rosario. Si Dieu le veut, un jour, je suis sûre que vous aurez assez confiance pour me raconter tout ce que vous gardez pour vous. Merci beaucoup, madame. Excusez-moi. Nadia, ce soir, nous avons un repas avec les membres du parti. Alors, je veux que tu te fasses belle. Mets une robe. Sois souriante et surtout très aimable. Souviens-toi que tu m'as promis d'être l'épouse parfaite. Et ce dîner va déterminer si ma candidature au gouvernement de l'État est possible ou non. Une longue route nous attend, mon amour. Toi à mes côtés, tenant mon bras, comme ma femme bien-aimée. Viens. Viens là. Regardez-nous, Nadia. Nous sommes l'image du couple idéal. Du mariage parfait.
de l'union du pouvoir. Ça, ce sera uniquement en présence de ces gens. Parce que quand nous sommes seuls, je n'ai pas à cacher toute la répugnance et le dégoût que je ressens pour toi. Et tout ça seulement jusqu'à ce que Alessandro découvre enfin qu'Antonio Olivares et José Luis Alvarez sont la même personne. Calme-toi. Tu sais que je tiendrai parole. Je te jure qu'il ne l'apprendra pas de moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Nadia, il faut que tu saches que cette mascarade ne peut pas durer éternellement. Tôt ou tard, Almonte découvrira la vérité. Et ça sans que j'aie à bouger le petit doigt. Comprends-le. José Luis Alvarez est un fugitif. Et il n'est pas mort, Nadia. Une des filles de Joaquin a soudoyé un officier de police pour l'aider à s'échapper. Et elle s'est enfuie avec lui. Son père la cherche comme un fou, Nadia. Il va enquêter. Et qui sait jusqu'où il est prêt à aller pour retrouver sa fille. Tu comprends? C'est une bombe à retardement. Et quand elle s'y attendra le moins, elle va exploser au visage de ton ami. Ignacio!